Bonjour à tous et bienvenue dans ce qui va être certainement la série de l'été, incontournable. Parlez-en autour de vous, Flamingo Island, vous l'avez découvert dans le petit générique précédent, vous avez découvert aussi nos tronches, et vous découvrez maintenant les participants de ce magnifique jeu qui sont avec moi. Alors malheureusement, il n'y a pas les pseudos dessus de leur skin, vous allez comprendre pourquoi, on va bien entendu en parler, ça fait partie des règles du jeu. Bonjour à tous, vous allez bien ? Salut. Alors on est 8, c'est ça hein ? Ouais. Oui. Recomptez-vous, on est bien vite. Tout le monde. Ah oui. Est-ce que tout le monde est là ? C'est bon. Très bien. Alors Flamingo Island, qu'est-ce que c'est ? Avant cela, on va présenter un petit peu tout le monde en face de moi, magnifique avec ses lunettes de soleil, son t-shirt rose et c'est un peu spécial ta tenue. Overspace est avec nous. Bonjour. Ça c'est Overspace qui fait équipe avec Sherlock. Hello. Et donc c'est la team Overclocked. Overlocked. Non, Overlocked. Overlocked. Voilà. Overlocked. Ensuite, nous avons Tabernak qui porte un magnifique. Pour que je m'arrête sur les tenues, mais c'est important pour qu'on les reconnaisse, il n'y a pas les noms. Un magnifique t-shirt vert avec un creeper dessiné, des lunettes énormes. Bonjour. Énorme. Bonjour Tabernak. Bonjour. Et puis alors, vous le connaissez certainement. Ça, c'est la team Onigiri, sans S. C'est Juju avec son écharpe rouge incontournable. Oui, j'ai froid. T'as froid ? Toujours froid. T'inquiète, l'ambiance va se réchauffer dans quelques instants. Nous, il y a aussi alors la team Dark. Azendark. Oh la vache. On a trouvé le nom. On va mettre les Failmen. Voilà. Les Failmen. Oh là là. C'est mieux. Là, c'est bon. Les Failmen. C'est qui attaquait en premier. Qui sont composés de Az et de Dark Even qui se cache là, qui a gardé son costume rose et sa cravate. On lui a dit mets une tenue d'aventurier. C'est ce qu'il a fait. Ouais, pareil, moi je me suis un peu trop équipé, je vais avoir un peu chaud, mais bon, c'est pas grave. Ladies and gentlemen, bonjour à tous et salut Azn. Salut petit panda. Voilà, et alors je me mets comme ça pour qu'on me voit à côté de mon compagnon d'aventure ou de mes aventures, iPlay for You, qui partagera la vedette de mes épisodes. Salut Gus, salut tout le monde. Voilà, salut iPlay, et moi salut, je serai avec lui. On est la team, les touristes. Les touristes, ouais, les voilà, touristes. Ça me paraît pas mal. Donc, chaque équipe va devoir s'affronter, c'est une aventure. En fait, je vais baisser le son du jeu parce que dès qu'on boit, ça fait un bordel. T'as vu ? Monstrueux. On boit salement. Voilà, alors, je vais devoir essayer d'expliquer les règles. Je vais me mettre comme ça pour qu'on vous voit bien. Voilà, et qu'on voit... Voilà. Moi, j'ai encore la chance de pouvoir voler à cette heure-ci, mais ça va pas durer. Alors, il s'agit donc d'une série d'épisodes qui vont être diffusés tout au long de l'été. Je sais pas combien d'épisodes ça va faire, une douzaine, 10-12, que vous pourrez suivre au mois de juillet, au mois d'août, à raison, a priori, de 2 épisodes par semaine. Ce sont des épisodes qu'on va enregistrer dans la foulée, donc en 2 sessions de 2 heures, en 2 après-midi, donc 2 mi-temps. La première mi-temps va commencer dans pas longtemps. Vous m'aidez si j'oublie des choses importantes à dire. De toute façon, vous en saurez plus dans le descriptif, et notamment, chacun va filmer. Donc vous aurez vu les vues de chaque équipe et de chaque participant sur leur chaîne respective, dont vous trouverez les liens dans le descriptif de chaque épisode. Tout le monde est très sage, ça m'effraie. Le but du jeu, très important, ça va être sur l'immense île qui est en face de moi, que je vous montre un petit peu, on ne va pas trop spoiler. Elle est beaucoup plus vaste que ce petit tronçon que je peux vous montrer là. Cette île regorge de totems qui sont cachés dans différents lieux clés. Ça peut être des statues, ça peut être des ruines, des bunkers, des bateaux, des petits bouts d'îlots, voilà. Et ces totems, en fait, sont des flamants roses, semblables à celui que j'ai sous les yeux. C'est une espèce de petit flamant rose comme ça qu'il va falloir qu'on trouve. Il va falloir que chaque équipe en trouve un maximum, les casse et les récupère dans son inventaire. Bien entendu, on est en PVP, donc tout est possible, tout est permis. On peut très bien tuer nos ennemis et récupérer leurs flamants roses. C'est tout à fait possible. En sachant que, donc, on a pas mal de modes qui ont été rajoutés. J'ai des feuilles sous les yeux, je les prends, ça va m'aider, avec des notes. On a des pièges, on va pouvoir poser des pièges. Des armes qu'on va pouvoir crafter qui sont pas initialement dans Minecraft. Vous le voyez pas, l'affichage... Il n'y a pas l'affichage des pseudos. Ça veut dire qu'on va pouvoir se cacher derrière un arbre sans être vu par nos adversaires. Et éventuellement aussi, ne pas voir nos adversaires arriver sur nous. Sans le savoir, t'as créé un concept. Je pense que c'est un concept, et donc on va flipper méchamment. En ce qui concerne la faune locale, je vais expliquer après pour les verres d'eau qu'on est en train de s'échanger. Ce qui concerne la faune locale, on a viré tout ce qui est Minecraft. Il n'y a plus les mobs de Minecraft, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez plus les zombies, les creepers.
Il y a même pas les moutons ni les cochons. On a utilisé le mode mot créature pour avoir une faune un petit peu tropical. Parce que, je sais pas, c'était de saison. On avait envie de faire un truc très vacances. Donc, vous allez voir des serpents, des oiseaux, des tigres. Que des animaux sympas. Des poissons, des requins dans l'eau. Là, c'est bizarre, on n'en a pas un seul. Mais c'est pas grave. Tant mieux, hein. Ils sont tant mieux pour le moment. Là, par la chaleur, malheureusement. En mob agressif, donc deux jours en dehors des requins, peut-être des tigres, des alligators, de ce genre de choses, la nuit, il y a de nouveaux dangers. En sachant que la nuit, on l'a raccourci à 5 minutes. Le jour va durer 10 minutes, la nuit ne durera que 5 minutes pour pouvoir que les épisodes soient un peu moins chiants, parce que la nuit, à part se cacher et attendre, on va peut-être pas faire grand-chose, j'en sais rien. Enfin, chacun fera ce qu'il veut. Mais moi, a priori, je pense que je vais me cacher avec iPlay quelque part. Non, j'ai prévu des choses pour toi la nuit, t'inquiète pas. Je te trouve vachement hot en ce moment, iPlay, de manière générale. Ils vont partager. Mais écoute, moi je suis partant, toute proposition m'intéresse. Ensuite, et il répond en plus, exclu. La nuit, donc de nouveaux dangers. Les rats, qui sont bien entendu un des mobs qui apparaît en masse sur les îlots tropicaux, deviennent très agressifs, ils ont faim, ils attaquent. Et c'est des rats, on peut aussi les manger, mais eux vont chercher à nous bouffer aussi, essentiellement la nuit. Il y a des fantômes aussi, cette île est tentée, j'aime bien les fantômes, donc j'en ai mis, me suis fait plaisir. Les fantômes, on ne les voit pas, on les entend, ils font des espèces de « oh » comme ça. Ils sont très très effrayants, ils vous attaquent, il va falloir faire avec. Ensuite, on a aussi, pour ceux qui connaissent Lost, la série, on a intégré le Smoke Monster, le monstre de fumée, qui est une espèce d'entité très sombre, qui vous attaque dans un biome qui est particulier. Oups. Qui est en grande partie sur l'île. En gros, quand ce monstre, vous le voyez, qu'il apparaît devant vous, il vaut mieux fuir, parce qu'a priori, vous allez mourir. Alors, c'est un des dangers, alors lui, de nuit comme de jour. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? La soif, très important. On a rajouté, comme la faim, la soif, donc il va falloir qu'on se crave des bouteilles d'eau, qu'on purifie notre eau pour pouvoir boire, c'est un des paramètres importants. Sinon, quand on arrive, quand on est totalement déshydraté, on a des petits problèmes visuels, on a de la nausée, Sherlock, hein, c'est ça ? Oui, une nausée, alors. Une nausée. Et on peut avoir aussi d'autres effets, hein, comme la faiblesse. On peut être faible. Oh, vous verrez comment on va être faible par moment, ça va être horrible. Si vous ne purifiez pas l'eau, hein, voilà. Soyez prudent. On peut boire de l'eau pas purifiée, mais. Ensuite, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, les sables mouvants. On a rajouté des sables mouvants, c'est-à-dire que certaines zones sableuses peuvent être dangereuses, on peut s'enfoncer et mourir dans les sables mouvants. Ça va être sympa. Je suis en train de me dire que ça va être du délire. La durée de jour-nuit, j'en ai parlé. La mort. En cas de mort, en fait, tout notre inventaire se retrouve dans des tombes. Ces tombes sont signalées par un rayon lumineux qui part dans le ciel. Donc on va pouvoir éventuellement retrouver notre tombe. Nous-mêmes, on peut récupérer la totalité de notre inventaire si on retrouve notre tombe. Les autres ne peuvent récupérer qu'un item dans cet inventaire, éventuellement les flamants roses. Voilà. Je coupe une petite seconde. Est-ce que vous pouvez me re-TP ? Je viens de marcher sur un truc invisible et je me suis fait porter d'un coup. Ouais, moi aussi. D'accord. Espèce de rebelle. Vous avez dû marcher sur les plaques de pression qui vont nous permettre de partir après. Ouais, c'est pas grave. Avant de commencer, dans pas longtemps, merci. On fait vite pour cette introduction, c'est un petit peu perturbant, mais je me dépêche comme je peux, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est de l'action, c'est dans le jeu, et on va y aller. On va tous avoir un équipement de départ minimum, que j'ai un peu sur moi, donc un verre d'eau. Ah, pour le moment, je suis en créative, mais je vais passer en survie juste après, vous inquiétez pas. On va avoir un équipement minimum, un atlas qui va nous permettre d'avoir une map et de mettre des marqueurs pour s'y retrouver un petit peu dans notre aventure. Voilà à peu près pour l'équipement. Et puis, c'est sacs à dos qui sont en face de nous, qui est en train... Et des pommes à foison. Merci. Merci, Dark. Du coup, il est dans tout. Allez-y, jetez-lui tout. Bien sûr, tous ces items qu'on me jette seront supprimés des inventaires avant qu'on commence la partie. Je voulais, avant de commencer, c'est très important de le faire, remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette magnifique aventure à mes côtés. D'abord Rasta qui a souhaité faire une map exclusive en très peu de temps, parce qu'en fait cette série j'ai lancé l'idée il y a à peine une semaine et la map a été faite en moins de temps que ça. Ça a été un énorme travail, donc merci Rasta pour la map. Je vais remercier aussi tous ceux qui ont travaillé à ses côtés, Nitract, The Amateis pour certains mods et pour certains plugins, The Light Soul, FaceTrack, Monsieur Nose, Tony, Kayens, Mustapha74 et BipBip94 que je remercie. Je vais remercier aussi Sushi qui a fait le magnifique logo que vous avez pu admirer dans le générique, et puis nos avatars, nos petits personnages pour les miniatures et tout ça. Merci Sushi, merci à tous d'avoir participé à cette aventure qui va commencer dans très peu de temps maintenant. Et là j'ai le cœur qui bat très fort.
Rassurez-moi. Je veux mon TP. Rassurez-moi, remontez-moi le moral, je suis inquiet là, j'ai peur. Allez, courage, gueule, ça merci. Va bien se passer. Je veux mon TP avant. Ah oui, ça va être énorme, ça va être. That's Adventure. Hein. That's je adventure. Pense que ça va être super. De qui doit être TP Tab. Tab. C'est bon, merci. C'est bon, ok, très bien. Donc, on supprime tout ce qu'on a sur nous. Est-ce que Rasta, tu es avec nous? Allô, allô. Oui, je suis là. Ok, n'hésite pas, tu peux faire le petit. Alors, on vide les inventaires, c'est parti. Voilà, je me mets en survie. Oh putain, je suis en panique. Je suis paniqué, moi. La pression. C'est la pression. Ah là, j'ai la pression. Ouais. On va peut-être remettre le jour, histoire de commencer dans de bonnes conditions. Et puis, on va peut-être attendre, se laisser 10 secondes pour se migrer sur les. Ouais, même un peu plus, peut-être. 20 ouais. secondes. Ouais, une vingtaine de secondes juste pour se retrouver et puis commencer à lancer par le chat ensuite. Ben, on vous laisse migrer, ça me laisse le temps aussi. On a une commande aussi qui nous permet d'avoir toutes les 20 secondes. On a un chrono toutes les 20 minutes, pardon. 20 secondes d'épisode, tu sais. C'était rapide. Toutes les 20 minutes, on arrêtera. Voilà, ce sont des épisodes de 20 minutes. On pense que c'est un bon temps, histoire de vous donner un peu de bonheur pendant 2 mois, et peut-être un peu moins, et 20 minutes, donc un chrono. Voilà, c'est parti. Bah écoutez, on se sépare, les amis, je vous souhaite bonne chance, je suis ravi de vivre ça avec vous et contre vous. Pareil. Good luck tout le monde. Ouais, bonne chance, à bientôt. À plus. Bonne chance. Ok, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt, allez c'est parti. Oh. Go. Allez, go. Oh putain, on commence en haut d'un arbre. Super. Ah. Parfait. Moi, ce que je te propose. Parfait, j'adore. Ok, oui. Pardon. Il faut qu'on se sépare. Donc, à essayer de trouver de la bouffe. Moi, je vais essayer de nous faire la base pour survivre. Donc, pioche, épée, pelle, hache, etc. Ok. Moi, j'ai 2 sacs. Je sais pas pourquoi. Putain, je me suis déjà blessé. Toi aussi. Ouais, les points de vie remontent de toute façon. Ouais. Tant que t'as de la bouffe. Attends. Là, on va quitter cette zone. Tu vois, l'herbe est très verte et les arbres aussi. Ça veut dire qu'on est dans le smoke monster. Dans le biome où on peut voir le smoke monster, il vaut mieux s'en aller. Un peu. Moi, je vais rejoindre la plage. Ce qu'on peut faire, moi perso, je pense des bouteilles d'eau. Il faut absolument des bouteilles. D'eau et de la bouffe. Hein, prends du caillou, ouais, qu'on fasse un four. Bon, alors je vais. Putain, la bouffe qui est déjà descendue. Quoi. Ouais. Moi, je vais. Ah ouais, putain. Je vais récupérer du sable. Et oh putain. Il... Ça commence très fort, hein. Ouais, on est vraiment dans la pluie. Conditions extrêmes. Bon, extrême, j'en sais rien, mais on va en chier. C'est clair. Alors faut se méfier du. Ah ouais, non, t'as supprimé les monstres. Du coup, on risque pas grand chose sous la pluie. Il va pas y avoir de. Si, tu peux te faire attaquer par les rats, mais a priori, la journée, on est relativement cool. D'accord. Je récupère plein de sable. Il y a une chèvre. Ouais, alors. Je suis sable au vent, putain. J'ai pas fait gaffe à ça. Je vais crever. Attends, je vais nous faire. Oh putain, c'est quoi ça? Si tu peux venir m'aider à péter les blocs. Ouais, j'arrive. Je vais mourir. J'arrive. Et la chèvre est en train de crever avec moi, c'est ignoble. Derrière toi. Ah, derrière c'est bon. Derrière toi. Retourne-toi. T'es en train de te casser les blocs. Tu peux avancer. Ah putain. Je m'enfonce encore après, non? Je te casse les blocs. Ah, c'est bon. Ah, tu peux. C'est bon. Purée. Tu casses encore un truc devant. Vas-y, remonte. Voilà, super. Ah, le flip. Donc là, c'est zone. Bon, ça, dès le début, il faut qu'on se fasse le pioche. Tiens, cadeau, bouge pas. Comme ça, si tu t'enfonces, je te donne ça. Ok, merci. Bon, attends, fais. Voilà, c'est bon, moi ce que je veux c'est absolument cuire pour faire des bouteilles d'eau pour avoir parce que l'eau tu vas voir ça va être hyper important. Donc il faut un four. Ok. Je vais casser ce qu'il faut pour ça. Je suis désolé ma biquette, on peut pas trop s'occuper de toi. Je te ferai bien des câlins mais ce sera plus tard. On est au taquet, je vais me faire une hache. Bon, on est d'accord, hein, la recherche des flamants roses c'est plus tard. Hein. Ouais, là pour l'instant c'est survivre. Moi je dis que tant qu'on n'a pas 10 bouteilles chacun, pleines d'eau pure, on bouge pas. Okay. Donc l'eau pure, il faut la faire cuire. C'est ça, il faut faire des bouteilles. Et je collecte un peu de tout, je vais nous faire la totale en pierre. Épée, pioche, hache. Ok, moi je m'occupe de faire l'eau. Hein. Vas-y. J'y suis. Ce qu'il faut, c'est ça, c'est qu'on s'attribue des tâches, on ira 2 fois plus vite, que ça sert à rien qu'on fasse chacun la même chose. Juste, il me faut du bois. T'as du bois toi? Ouais, j'ai du bois. Y a un poisson au large, ça se bouffe ça. Si tu le tues, ça drop un poisson. Un gros, ah ouais, bon, il est loin. Je vais casser du bois pour. Alors, on va se faire épée. Tac, tac. Tiens, derrière toi. Ouais, j'arrive, je finis de casser ça. Oh putain, sable mouvant. J'arrive. Eh ouais, il est là, il y en a d'autres. C'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, il y a 3 de fond, hein, c'est généralement. Je recule, faut que je recule. Si je recule, normalement, j'atterris dans le trou.
Et je vais pouvoir remonter. Allez, IP. Recule, recule, recule. Donc allez, on t'en sort parfaitement. Bon. Tiens, cadeau. Hop. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Une épée. Merci. Est-ce que t'as du bois? Ouais, j'ai du bois. Ah, cadeau. Derrière toi. Je suis désolé, hein, j'utilise comme combustible. Vas-y, vas-y, de toute façon, je vais en couper tout de suite. Ok. J'utilise comme combustible parce qu'il faut absolument qu'on fasse cuire des bouteilles. Enfin, ouais, du verre pour faire des bouteilles. N'hésite pas. On peut faire des gobelets en bois, ça irait plus vite, mais ça contient moins d'eau, donc ça te rassasie beaucoup moins bien. D'accord. Il y a Juju qui a un petit problème. J'espère que ça va aller pour bon, lui. Il est possible qu'on essuie des petits problèmes techniques, ça c'est... Je dirais que c'est le propre de chaque série. C'est inévitable. Ouais. Alors, hop, hop, je vais nous faire aussi, aussi. Oh, le bois. Alors, pendant que ça cuit, je vais faire autre chose. Ça bouge pas. Ouais. J'arrive vers toi, regarde, je te jette ça. Donc, une hache, une pelle, et je te fais la pioche, comme ça tu seras tranquille. Je te l'ai jeté derrière toi. Hein. Attends, ouais, ouais, je vois, il y a un poisson là-bas, je vais aller le tuer parce que, à mon avis, il va me lâcher un petit poisson, c'est toujours ça. Ouais, ouais, prends-le. Effectivement, c'est toujours cette pluie. Putain, l'enfoiré, il s'enfonce sous l'eau. Il y a du charbon ici. Où est-ce qu'il est? Le crabe, je peux le buter, ça se bouffe. Oui, oui, il faut faire cuire. C'est génial, c'est très très bien le crabe. D'accord, j'ai du crabe. C'est bon, j'ai du crabe. Putain, il m'a pas lâché de poisson. Je suis dégoûté. Alors, je prends ça, je prends ça. Ok, parfait, j'y retourne. Donc j'ai du crabe, je peux le faire cuire. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi, ah, c'est toi. Moi, les bouteilles, je sais plus faire. Vu de nez, je dirais que c'est comme ça, mais je sais plus. Ah, j'ai pas assez de verre, il va en falloir plein. Tac, tac. Et hop, cadeau. Voilà, donc normalement, t'as la totale. T'as pioche, hache, pelle, épée en pierre. Exact. Ok. La même chose pour moi. Ah oui, attends. Hop. On aura de quoi bien débuter. Hop. Et hop. Parfait. Pourquoi mon anti-catlas ne se... Voilà, on est là. Je marque juste une croix. Départ. Ouais. Alors je cacherai pas aux gens et je te le cache pas, hein, je suis un peu en panique, c'est ma première session émission série PVP. Hein. Ouais, non, ça le fait, tu sais, au début on risque pas grand chose, de toute façon on est à l'abri, loin de tout le monde, on va pas se faire du rush PVP. On est vraiment dans la phase de collecte de ressources pour s'équiper, il n'y a pas de soucis, ça va le faire. Voilà, ok. Il me faut plus de bois, il faut absolument que je cuise ces bouteilles. Le bois, je vais en chercher. J'ai du charbon là. Ah bah très bien. Je ramène le charbon. Fais des torches plutôt. Ok. Ça marche, la bon. Nuit tombe. Ah. Ouais, donc faut se faire un abri là. Ouais, ouais, je m'en occupe. Tu le construis autour de notre... Non, on va s'enterrer tout simplement, comme ça on peut miner vers le bas pour commencer à chercher du fer. Ok. Là, on s'embête pas à se faire un abri, on creuse. Bah c'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même qu'on ait de l'eau. Et là, pour le moment, on n'en a pas. T'as ta gourde principale, non? Ah putain, il y a un truc que j'ai pas si fait, je suis très moi. Bête. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, rien de grave. Donc on peut faire des gourdes en bois, je pense. C'est bête. Hein, non, en ça, bois, mais... tu peux faire juste les verres. Là, on ah, est oui, mal. C'est un verre. T'es où, toi? À côté de toi là. En haut, je te vois. J'ai du bois si tu veux que je fasse des gobelets, comme ça on prend de l'eau. Ouais, on va faire ça. Mais les gobelets, on va avoir des gobelets d'eau pas du tout ouais, potable. Ça ira passer la nuit à la nuit. Attends, je vais essayer de faire au moins quelques bouteilles. Une bouteille okay, chacun. Vas-y. Une bouteille. Tu te souviens de comment on les craft? Non, je sais juste faire les gobelets, mais alors les bouteilles. Putain, je sais plus. Attends, je vais regarder. On a le craft guide qui permet d'avoir des indications sur comment on fait la bouteille. Bottle. Okay. Le problème c'est qu'avec... Ah putain. Je vais nous préparer l'abri comme ça tu m'en joindras. J'arrive pas à le trouver. Faut que je me détende. Hein. Ouais, là c'est zen, je te dis, il se passe pas grand chose. On d'accord, est tranquille, on risque rien.
Y a vraiment aucun souci. On risque rien la nuit, si on risque. Ouais, y a pas énormément de monde. Si jamais t'en vois un, tu me rejoins et puis on en parle plus. Si j'en vois, je t'appelle. Ah, ça y est, j'ai trouvé la bouteille. Mais c'est très con la bouteille. Ok, mais j'aurais dû réviser ça avant. Ah, y en a un qui est mort par un rat. Eh ouais. C'est souvent comme ça. Ok, y a un rat, effectivement. J'ai 13 bouteilles, ça fait déjà 13 bouteilles d'eau, je les remplis. Ok, 13, ça va nous porter la poisse. Tu veux pas en jeter une? Ah oui, c'est vrai que t'es comme ça, toi. Je vais en fabriquer une de plus, si tu veux. Mais à cuire, c'est pour ça que je dis, à cuire, ça va être long. Faut faire l'abri autour de moi. Hein. Merde, ça bouge nouveau. Tu t'en sors? Je vais essayer. Je pense qu'il faut qu'on fasse l'abri autour de moi. Hein. Non, il faut absolument qu'on mine. Je veux... Galère. Non, faut absolument qu'on trouve du fer. On n'a pas de bouffe et pas d'eau. J'ai de la bouffe, j'ai du crabe. J'ai deux pommes. T'as fait cuire ton crabe? Non. Je passe. Je suis un peu en galère dans le sable mouvant. Ah ouais, je viens t'aider. Non, mais ça va. Ouais, super, merci. Non, il en reste encore un, putain. Je m'enterre. Je m'enfonce. Galère. Merci. Ah, c'est vrai que les sables mouvants, c'est terrible. C'est vicieux. Bah, on s'est mis sur la plage en même temps. Ça y est, j'ai une nouvelle bouteille. Ah, il faut que je les cuise une par une en fait. Donc okay. Ça va être un peu long, c'est pour ça. Ouais, j'ai du. Non, mais je peux refaire un four. Non, on craint peut-être pas grand chose ici en fait. Hein. Pour le moment, c'est pas fait attaquer. Ouais, je te dis, on est bien. Un four. On surveille, n'hésite pas à donner des petits coups d'œil à droite à gauche. Ouais, c'est ce que je fais, je suis un peu inquiet, tu vois. Donc là, je fais cuire le crabe. Vas-y. Voilà, comme ça, on a de la bouffe pour passer la nuit. La flotte, tu t'en occupes. Il faut qu'on se sépare. Je te laisse gérer ça, tu sais quoi? Je vais aller essayer de miner pour trouver du fer. Je pense que c'est important. Vas-y, par instant, je gère la bouffe et l'eau. Tiens, je te donne du charbon. Et moi, j'y vais. Je vais miner. Parce que j'ai des pioches. J'en ai qu'une. Je vais m'en refaire une autre au cas où. Alors, tac. Et tac. Voilà, parfait. Allez, je vais essayer de nous trouver du fer. Qu'on se fasse un peu de stuff. Comme ça, tu seras un peu plus rassuré. Même si je te dis qu'on risque pas grand chose. Tu veux pas juste te montrer deux secondes? Viens me voir. Jamais ça se passe mal de ton côté. Regarde où je suis. Vois la lumière ici là. Donc là j'ai creusé, moi je m'enfonce, j'essaie de trouver des ressources. Si ça se passe mal, tu rushes là-dedans. Ok, d'accord, ça marche. Bonne chance. Toi aussi. Donc là j'ai plein de charbon ici, donc c'est tranquille. Oh, ce temps pourri. Bah tropical, ouais, tropical. Normal. Normal qu'il pleuve. T'as de l'eau sur toi, c'est bon? Ouais, j'ai de l'eau. De l'eau, je vais attendre que tu t'occupes de tout ça, puis tu vas me rejoindre, parce que c'est vrai que l'eau descend assez vite finalement. C'est pour ça que je pense qu'avoir un bon stock de bouteilles dès le départ, c'est important. Ouais. Mais là, on va en avoir 19. Super. Et avec un peu de chance, les autres n'auront pas eu le même réflexe. Je pense qu'ils se sont entraînés et qu'ils voilà, ils vont malgré tout gérer un minimum. Putain, c'est quoi ça? J'ai trouvé une galerie. Je vais l'explorer. On peut trouver du fer, ce sera parfait. Y a un décompte pour la fin de l'épisode ou... Ouais, attention, ça tape là, y'a quelque chose qui meurt. Pas à venir, hein, si tu le sens pas. Ah, y'a un oiseau qui. Oh, y'a peut-être quelque chose qui est en train de crever dans le sable mouvant, je sais pas. Oui, y'a un décompte, hein. On sera prévenu dans quelques minutes à la fin du premier épisode. On va trouver une galerie, mais pas du tout. Bah, qui durera un peu plus longtemps que 20 minutes, puisqu'en fait on va y coller sans doute l'introduction, ouais, là, qui dure bien un bon quart d'heure. Mais bon. Alors, est-ce que il y a eu des modifications faites sur la carte par rapport aux ressources ou parce que je trouve pas beaucoup de fer? J'ai pas de bol en fait. Il n'y a pas beaucoup de fer, mais il y en a. D'accord. Mais t'as peut-être pas de bol. Ah oh ouais, en fait, cherche plus haut peut-être parce que à mon avis, sur les côtes, le fer, ça va être. On va pas en trouver des masses. Là, je pense que là, on n'en trouvera pas. Il faudrait mais on est vachement haut, en fait. Ouais, il faudrait plus monter dans la montagne qui est juste au-dessus de ton trou. Ouais. Un peu plus haut, là-bas, on devrait en trouver. Sauf que c'est le biome du Smoke Monster. Ouais, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Je vais aller venir te voir, j'ai besoin de flotte. Attends, je vais prendre un peu de charbon ici. On est vraiment pas mal, si t'as besoin. Alors du coup, pas de diamant, pas de table d'enchantement. Non. Okay. Je vais te rejoindre, fais attention au sable mouvant. T'as de l'eau dans le coffre, qui est juste là. Ok, parfait, super. Hop, on prend la moitié, donc le crabe, je le laisse.
Alors, regardons un peu autour de nous, effectivement, si je peux pas trouver. Là-bas, c'est du charbon, j'en ai pas besoin. Une biquette. Ah non, c'est pas une biquette, c'est des. Des chats. Des chats ? Ouais, je sais pas, des. Y'a rien. Là-bas, y'a du charbon. Assez pauvre en ressources, effectivement. Bah ouais, sur les côtes. Un attention, un rat. Sur les côtes, c'est pauvre en charbon. C'est pauvre en ressources. Par contre, on va devoir rentrer dans les terres. De toute façon, je pense que dès que le jour va se lever, on va bouger plutôt. Ouais. On va essayer de. Dès que les bouteilles sont prêtes. Bah là, c'est, je crois que c'est ma dernière bouteille à cuire. On va attendre le lever du jour quand même. Ouais. Je continue, on sait jamais. Un peu de chance. Je m'excuse pour les viewers pour cette séquence de minage, c'est jamais intéressant dans Minecraft. Ah bah moi je fabrique des bouteilles d'eau, hein. Je ouais, sais pas si tu te rends compte. Survie, hein, c'est comme ça. Ah là ouais, c'est clair. Et moi je suis désolé pour ceux qui aiment le RP, hein, et qui ont l'habitude de me suivre pour ça. Mais là le RP je le mets de côté, hein, je peux pas me permettre. J'en ai un peu rien à foutre même. Autre chose à te dire, si jamais on croise une autre équipe, il faut pas qu'on fasse les fuyards, puisque c'est toujours l'équipe qui a tendance à fuir, qui perd la confrontation. Il faut porter ses bols, s'il faut y aller, on rentre dans le tas. On se pose pas de questions en fait. Ok. On focus la même personne, on dit par exemple celui de droite, et on y va, on le défonce. Et on commence à fuir généralement, voilà. T'es où toi ? Je suis toujours dans ma galerie en train de chercher du fer. Tu en trouveras pas. Je trouverai pas ? Non. J'abandonne, je remonte. Ah oui, il faut savoir aussi un truc, c'est que quand tu bois, ça te donne faim. Et que quand tu manges, ça te donne soif. D'accord, ok. Donc il y a tout un petit... Hey, on va galérer en fait. Hein. Ouais, non, c'est cool, c'est pas mal. En fait, voilà, quand j'ai imaginé cette série, c'était pour moi un mélange de Koh-Lanta et Battle Royale. Je pense qu'on y est. Moi, j'ai récupéré tout ce qui était là-bas. Ok. Je te propose qu'on bouge, on va suivre la côte, le jour se lève. On va tuer ce rat, c'est de la bouffe. Il y en a plusieurs, on va essayer de se les faire. Voilà. Allez, petit rat, viens. Il me lâche rien en fait. Toi, il te lâche des trucs. Bon, il m'a donné du rat. Ok, on le fera cuire, le mange pas tel quel. Hein. Ok, faut que je mange une pomme malgré tout. Les oiseaux ça sert à rien. Ah, il y a une plume, je la prends. Si jamais. Un rat, attention. Merde. J'ai. Ah, il y en a un deuxième. Et bon. Surveille tout le temps ta barre de faim et ta barre de vie. Ouais, t'inquiète pas. J'aimerais bien que la pluie s'arrête. Alors les rats vont être. Ah ouais, ils vont rester agressifs tant qu'il pleut en fait, ça c'est pénible. Pas grave, c'est parfait parce que j'en ai 7, comme ça me permet de nous nourrir. Ouais, moi aussi, là, ça me drop des trucs qui sont pas trop durs à tuer. Ouais, c'est parfait, ça. Là, il y en a un là-haut, je vais même aller le chercher, tu vois. Viens, la petite. Ah, il pleut plus ! Ah, parfait. Ah, punaise. Hop, j'entends un fantôme, J'entends un fantôme ! Fiche-toi. Comment c'est possible ? Ouais, bah, écarte-toi, hein, mets-toi au jour, faut que tu quittes l'ombre. T'es où ? Ah, il pleut. Je suis en bas, là où il y avait le rat. Je suis derrière toi, t'entends plus. Tu le vois ? Ah, c'est moi, je l'ai eu. Ah, tu le vois marcher peut-être ? Tu vois quoi ? Il a pris feu en fait. Ah voilà, ouais. Ils prennent feu comme les zombies en fait. Donc, il y a un sanglier là-bas. Par contre, il faut qu'on fasse cuire de la bouffe, je pense. Ouais. Il y a un sanglier et il y a une dinde. Ah, nickel. Je me fais la dinde. Je me fais le sanglier. Ah, comment il défonce ! Waouh ! Le sanglier fait mal. Ah, il a piqué. Ah bah putain, pourquoi il m'attaque ce rat ? Ok, je vais poser le four, on va faire cuire tout ça. Ouais, on fait cuire tout ça. On a un sanglier en train de prendre un bain là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ? Trois couilles tue le sanglier. Ouais, quand même. Bon, alors attends. Oh, il y en a d'autres là. Il y a de la bouffe. Ça meurt pas mal de l'autre côté, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous parce que du coup ça leur fait perdre du temps tant qu'ils récupèrent le stuff. Ils avancent pas plus que ça. Et le moi il m'a droppé du. Je veux bien que tu poses un four. Attends. Ouais, excuse-moi, je le fais. Comme tout ça, je vais cuire la bouffe parce que là mes points de vie remontent pas. On va se mettre un endroit où il y a un peu de lumière. Enfin bref. Là, je te mets du bois dedans. Moi aussi j'ai du rat, tac. Charbon aussi. Voilà, faut absolument que je mange. Allez. Parce que mes points de vie remontent pas. Ok. T'as de l'eau encore ? J'ai de la flotte. T'as combien de bouteilles ? J'en ai 4. Ok. 4. On peut les remplir, de toute façon c'est pas très grave. Tiens, je t'en donne 3. Oui, faut faire cuire l'eau à ce moment là quand même. Ouais. Je vais faire cuire ce que j'ai vidé. Non mais c'est bien. On pourra pas ce faire que je te propose, trop tout de suite. Là on a de la bouffe, on est en train de la faire cuire, c'est bien, la flotte c'est géré. Prochain épisode, on commence à rejeter les totems. T'enfonces ? Ouais. J'arrive. Je vais y aller avec la. Putain de sable mouvant.
Et on doit en avoir sur nous, non? Normalement, ça va le faire. Le prochain normalement, bloc, on peut récupérer les blocs de... Non, prochain bloc aussi, je m'enfonce. On doit pouvoir récupérer les blocs de sable mouvant, normalement. Ouais. Aider un peu. Ça peut servir de piège. Voilà, tu détruis celui-là et c'est bon. Allez, remonte. Non, je t'ai fait un escalier. Je t'ai fait un escalier sur ta droite. C'est gentil, merci. Je t'ai parti tuer une dinde. Ok, bouffe, flotte, tout ça c'est géré, c'est bon. J'arrive, j'arrive. Parfait. Parfait. Ouais, ouais, ouais. Il faut qu'on rush les totems à partir. Oh, Smoke Monster, t'as vu? Où ça? Il y en a un qui a été tué par le Smoke Monster. Punaise. Dark. C'est Dark qui est mort. Ouais, Dark. Ah bah allez voir son épisode, à mon avis, il y a un moment épique. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut pas rater. Attends, il y a un rat juste là. En fait, on est bien. Moi je dis on est bien. On a bien géré le premier épisode, on a les ressources, je te dis, il faut qu'on prenne l'avantage sur les autres. Ils arrêtent pas de crever, donc on y va. Je sais pas du tout où on en est là de notre enregistrement. Il reste 30 secondes, je crois. Ah d'accord. Quelque chose comme ça à peu près. Donc normalement, dans 20 secondes. Ah bah voilà, voilà 30 secondes remaining. Ok, nickel, ça marche. Excusez-nous, hein, on teste un peu les choses. Oh bah c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Bien. J'ai toujours rêvé d'être seul avec toi sur une île déserte. J'étais sûr que ça allait être super fun. Voilà, c'est fait. C'est énorme. Je te laisse la bouffe, j'en ai. Attends, je me demande si on peut pas fabriquer un truc. Ah non, j'en ai que 4. Avec la peau là que lâche le sanglier, on doit pouvoir se faire des petits chapeaux. Ok, 10 secondes, qu'est-ce qu'on fait? On arrête là? Tu veux arrêter là? Bah attends, on termine la cuisson. Comme ça, ça c'est fait. Moi j'ai encore des trucs à cuire. Ok, par rapport à l'épisode, c'est fini. Ah oui, d'accord. Bah écoutez, chers amis, on vous dit à très bientôt dans la suite de cette aventure. Et on arrête l'épisode ici. Ça marche, à bientôt, salut, bye bye. Salut.